Horoscope chinois du jour. Vendredi 8 juin. Horoscope rat. Amour. Voilà une journée qui s'annonce très prometteuse sur le plan sentimental. Sous la férule de la planète Jiétan, vous ne raterez pas une occasion de briller en société et de faire une conquête mignonnette. Célibataire, vous ferez un tabac. Vous trouverez à coup sûr un partenaire à votre mesure. Mais n'envisagez pas trop vite l'éventualité de vous mettre un anneau au doigt, mariage prompt, regret long, argent. Le manque de sérieux et de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle ne se pardonnerait pas. Sans aller jusqu'à vous serrer la ceinture et imposer un programme de restrictions draconien à votre famille, vous aurez intérêt à limiter les dépenses superflues et à ne pas trop vivre au jour le jour. Évitez aussi soigneusement de vous lancer à l'aveuglette dans des opérations financières hasardeuses ou de tenter des coups de poker. Santé. Votre dos sera quelque peu fragilisé, et vous devrez le ménager. Au besoin, une gymnastique appropriée, pratiquée régulièrement, serait souhaitable. En revanche, les petits problèmes de peau et certains troubles dermatologiques plus préoccupants pourront être traités efficacement à partir de maintenant. Travail. Profitez de votre disposition d'esprit actuelle pour donner le coup de collier décisif qui vous permettra de clamer votre victoire. Si vous hésitez, si vous procrastinez, alors vous aurez des regrets éternels, car Jupiter lui-même ne peut retrouver l'occasion manquée. Vie sociale. Observez la plus grande prudence dans vos confidences si vous ne voulez pas regretter d'avoir eu la langue trop longue. Tu dis ton secret à ton ami, mais ton ami a un ami aussi. Horoscope buffle. Amour. Avec l'astre Mokduk dans le secteur vie à deux, les couples seront en assez mauvaise posture. Pas vraiment d'humeur, vous passerez de l'hostilité à la distance sans parvenir à établir un réel dialogue. Accrochez-vous, car bientôt la planète Oakoa viendra influencer le secteur et devrait améliorer vos relations. Célibataire, sous les bons auspices de la planète Oakoa en excellent aspect, n'hésitez pas à donner votre amour et à vous engager pour la vie. N'ayez pas peur, l'union ou le mariage décidé aujourd'hui vous réussiront très bien. Tous mes vœux. Argent. Excellente journée pour étudier de près l'état de vos finances. Vous pourrez faire davantage fructifier vos ressources, en étudiant de nouveaux modes de placement et en prenant quelques risques contrôlés. Santé. Tonus et vitalité seront les maîtres mots du moment. Vous serez très dynamique. L'astre Van Xiong, en bonne place dans votre thème, vous stimulera et vous permettra d'utiliser vos forces de façon positive. Vous serez à la fois plus énergique et moins nerveux. Travail. Cette journée sera probablement marquée par une notable transformation dans votre vie professionnelle. Vous devrez accorder la plus grande importance aux propositions nouvelles, aux idées originales, et ne rien rejeter de ce qui peut apporter un changement. Ne refusez pas de prendre des responsabilités, ne jouez pas les adolescents attardés. Vie sociale. Cette fois, vous saurez apprécier à leur juste valeur les amitiés sûres et fidèles que vous avez pu former. Plus vous distinguerez le vrai du faux, plus vous en tirerez de satisfaction véritable. Horoscope tigre. Amour. Grâce à la bienveillance de la planète Jiétan, vous ferez probablement une rencontre tout à fait fortuite vers le milieu de la journée. Mais vous réaliserez rapidement qu'il ne s'agit pas d'une aventure sans conséquences. Ce sera peut-être le début d'une nouvelle idylle, qui sait ? Argent. Profitez de cet aspect de l'astre Lhondup pour vous pencher sur l'état de vos finances. Vous prendrez d'excellentes décisions si vous vous y mettez sérieusement. Les placements seront favorisés. Santé. L'astre Kepsa vous incitera à vous débarrasser de votre mauvaise habitude d'escamoter le petit déjeuner. Même si vous avez l'impression de ne rien pouvoir avaler d'autre qu'une tasse de café, commencez par ajouter un jus de fruits frais et une ou deux tartines de pain complet légèrement beurrées. Il vous sera ensuite plus facile de prendre en plus un yaourt, en alternance avec un œuf dur ou sur le plat, ou une petite tranche de jambon. Travail. Votre vie professionnelle va subir une double influence, celle de l'astre Trucfu, restrictive, plutôt bloquante et contraignante, et celle de l'astre Lamkan, imprévisible, parfois explosive et souvent rénovatrice. La journée sera donc, pour certains, marquée au bureau ou à l'usine par des contraintes momentanées, et pour d'autres, par une accélération assez déstabilisante des événements. Vie sociale. Avec le sympathique tandem des astres Cumon et Tussis influençant le secteur contact, voilà des moments qui devraient faire la part belle à l'amitié, déjeuner avec vos voisins ou avec les copains de vos enfants, anniversaire. Les occasions de faire la fête ne devraient pas manquer. Horoscope chat. Amour. L'astre Tanlon en cet aspect vous sera défavorable. Gare alors à une scène de ménage, surtout si vous cherchez systématiquement à imposer votre volonté à votre conjoint ou partenaire. Heureusement, dans la soirée, vous vous arrangerez pour qu'il oublie tout dans vos bras.
Aujourd'hui, les célibataires feront des rencontres agréables, surtout dans leur milieu professionnel. Leurs initiatives seront heureuses, décisives, et l'amour nouveau-né s'enracinera profondément dans les cœurs. Argent. La présence de l'astre vaincue dans votre ciel natal vous permettra de vivre agréablement, sans souci d'argent immédiat ou problème urgent à régler. Vous pourrez même vous offrir quelques fantaisies bien légitimes, mais veillez à ce qu'elles ne dépassent pas la limite du raisonnable. En somme, vous pourrez compter sur la solidité de vos finances. Santé. Vous bénéficierez d'une très grande forme et ferez preuve d'une résistance étonnante. Ce sera une journée idéale pour remonter la pente si vous souffrez d'arthrite ou de rhumatisme et de troubles circulatoires ou cardiaques. Travail. Le climat lunaire de cette journée exigera beaucoup de réalisme si vous envisagez des changements dans votre carrière professionnelle. Il sera plus que jamais dangereux de compter sur les autres pour la réalisation de vos projets. Aussi, avant de changer de partenaire ou de situation, faites un bilan sérieux des avantages que vous retirez de la continuité. L'examen vous montrerait peut-être que vous êtes en train de lâcher la proie pour l'ombre. Vie sociale. Des amis pour s'amuser, c'est bien. Mais si l'un d'entre eux traverse une période délicate en ce moment, le joyeux drille que vous êtes saura aussi se transformer en une oreille attentive ou offrir l'épaule sur laquelle il pourra s'épancher. Horoscope Dragon. Amour. La planète Oakoa regardera votre vie conjugale d'un œil complice. L'amour vous envahira, et votre cœur exultera. Il vous sera possible de passer de l'extase mystique aux plus pures satisfactions charnelles. Profitez bien de cette journée heureuse afin d'avoir moins de regrets quand vous devrez quitter ce monde. Célibataire, ce mouvement céleste se traduira par un net allègement du climat amoureux. Vous serez moins exigeant, plus disponible, et aurez donc désormais davantage de chances de faire une rencontre qui comblera les aspirations de votre cœur. Argent. Avec cet environnement astral, vous allez peut-être devoir vous débarrasser des valeurs matérielles qui vous tiennent à cœur pour honorer les traites et assumer des engagements impossibles à différer. Désormais, soyez plus prudent, sinon les soucis d'argent qui reviennent sans cesse vous empêcheront de bien profiter de la vie. Santé. Bien meilleur tonus que ces derniers temps. Grâce au soutien de l'astre Bata, vous pourrez récupérer un bon dynamisme et des défenses immunitaires solides. Ceux d'entre vous qui souffrent d'une affection de longue durée vont voir leur état s'améliorer, et pourront trouver un traitement plus efficace. Travail. Dans votre travail, vous trouverez, animé d'impatience par l'astre Lontri, que les choses n'avancent pas assez vite, que vos projets tardent à aboutir. Vous n'hésiterez pas à passer à la vitesse supérieure. Vous dirigerez les opérations avec l'autorité d'un général. Vie sociale. En face des difficultés apparemment insurmontables, vous serez tenté de courber les chines. Vous pourrez évidemment neutraliser certaines oppositions écrasantes par une attitude passive et quelque peu abjecte, mais vous aurez quand même intérêt à ne pas aller trop loin dans cette voie, sous peine de porter gravement atteinte à votre dignité. Horoscope Serpent. Amour. Le ciel se gâte et laisse craindre une journée un peu houleuse pour la vie de couple. La faute à l'astre fond de chaos, avec des sujets de dispute plein sa besace. Vous aurez tendance à ne rien passer à votre conjoint, qui ne sera pas toujours d'humeur à se laisser faire. Célibataire, la planète Oakoa en cette configuration apportera apaisement et sérénité. Vous ne sombrerez plus dans les tracasseries quotidiennes. Vous plairez, chercherez à séduire, et en retour serez aimé avec ferveur. En un mot, vous connaîtrez des moments bien agréables. Argent. La planète Tianfuk, bien aspectée, vous prodiguera sa bienveillante protection et vous offrira des possibilités financières amplifiées. Vous serez particulièrement habile dans vos transactions diverses. Une certaine chance au jeu de bluff, tel le poker, et une chance quasi certaine au jeu de hasard, tel le loto. Santé. Avec cette ambiance astrale, il est possible que vous alliez manquer de punch. Pour renverser la tendance, prenez beaucoup de vitamine B1. Consommez du riz complet, du foie de veau, des rognons de veau ou d'agneau, du lait demi-écrémé. Mangez aussi des pommes de terre, très riches en vitamine B1. Vous pourrez aussi faire une cure de levure de bière, soit telle qu'elle, soit en comprimé. Prenez le soir une tasse d'infusion de tilleul ou de verveine, qui combattra efficacement les insomnies et la nervosité. Travail. Avec le concours de l'astre Tamlang, vous pourrez enregistrer aujourd'hui des succès professionnels appréciables. Certains natifs auront une promotion. Tous vivront de bons moments d'enthousiasme et connaîtront l'ivresse de la réussite. Vie sociale. Vous auriez peut-être intérêt à décharger votre cœur afin de retrouver votre élan. Au lieu de garder obstinément le silence, confiez-vous à une personne dont la discrétion ne fait aucun doute. Horoscope Cheval. Amour. Vous aurez tendance aujourd'hui à vous laisser emporter par vos désirs et par vos émotions.
Si vous tombez amoureux, vous ne résisterez pas à l'envie de déclarer immédiatement votre flamme. Quitte à faire fuir celui ou celle qui vous a ainsi ému. Vos rapports avec votre conjoint seront placés sous le signe de l'efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes concrets, et vous vous efforcerez de les résoudre dans les plus brefs délais. Argent. Vos gains et vos revenus suivront une courbe ascendante. Vous engrangerez des bénéfices d'un peu partout. Mais sachez que c'est vous, et vous seul, qui faites votre chance, en prenant de bonnes initiatives. Santé. Vous aurez une vitalité en hausse grâce au bon influx de l'astre Liamtrine. Elle vous permettra d'accomplir un grand nombre de choses et de résister à tout. Il ne semble même pas que vous risquiez d'en faire un mauvais usage ou un usage excessif. Rien que du bon dans tout cela. Travail. Les domaines de la recherche et de la création seront grandement favorisés. Vous pourrez vous faire une place au soleil dans l'une de ces branches d'activité et même acquérir une belle notoriété à la faveur de cet aspect de l'astre Tionkan. Vie sociale. Écartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils, que vous ne sollicitez même pas. Vous savez bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré de susceptibilité blessée de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix. Horoscope Book. Amour. La meilleure nouvelle du moment, et peut-être même de l'année, c'est l'influence de la planète Philem sur le signe des natifs vivant en couple. Un événement qui devrait effacer et compenser toutes les misères infligées à votre vie conjugale depuis longtemps. Mais bien sûr, tout va dépendre de votre situation et de vos souhaits. La planète Diavong en cet aspect sera favorable aux célibataires côté rencontre. Tout se prête à une rencontre qui vous rendra heureux. Vous allez avoir la possibilité de tout stabiliser. Argent. Vous serez porté à réduire vos dépenses. Plus question de vous offrir de petites folies. Vous ferez votre possible pour équilibrer votre budget. Et vous réussirez. Santé. Grâce au soutien de l'astre Tanlon en superbe aspect, vous jouirez d'une condition physique globalement bonne, parfois superbe même, si vous savez lever le pied de la pédale, en vivant à un rythme plus décontracté. Prenez de repos plus souvent. Travail. Vous aurez du mal à faire accepter vos idées et vos suggestions dans votre milieu professionnel. Essayez de les formuler différemment. De toute manière, votre marge de manœuvre sera bien étroite. Vie sociale. Les relations sociales auront une grande importance, tant sur le plan affectif que professionnel. Cependant, sachez faire le choix judicieux qui vous évitera de perdre du temps et de l'argent avec des personnes trop superficielles. Horoscope singe. Amour. Célibataire, ce magnifique aspect de la planète Philem donnera lieu à la chaleur communicative, à l'élan, à la ferveur amoureuse irrésistible. Vous saurez plaire, charmer, ensorceler. Vous aurez de puissants emballements affectifs. Vous serez heureux et saurez le dire. Si votre couple a connu récemment des hauts et des bas, vous veillerez à ce qu'une telle situation, si stressante pour vous, ne se reproduise pas. Vous pourrez même réaliser l'accord parfait avec votre conjoint ou partenaire. Argent. Méfiez-vous des conseils donnés par vos proches en matière pécuniaire. Aussi, évitez de prêter de l'argent à des amis, ce serait une source de disputes, voire de rupture. Sachez leur dire non. Santé. Vu cet aspect de l'astre Tianliong, vous serez sans doute en assez petite forme. Ne vous affolez tout de même pas, cette configuration astrale pourra être par moments gênante, mais elle ne sera pas assez néfaste pour provoquer des problèmes graves. Soignez-vous donc sans panique, mais également sans attendre trop longtemps, en cas de fatigue ou de début de petite maladie. Vous retrouverez ainsi rapidement une meilleure résistance et un bon tonus. Travail. La chance sera toujours à vos côtés et, même si aucune planète n'influence directement votre vie professionnelle, vous pourrez encore consolider votre situation. Plusieurs astres vous voudront un dynamisme exceptionnel et un potentiel de chance que les autres vont vous envier. Vie sociale. Pour échapper à la monotonie, vous vous lancerez dans une foule d'activités que vous essaierez de mener de front. Mais, si vous entreprenez trop de choses à la fois, vous risquez de commettre des erreurs. Horoscope Coq. Amour. Débarrassé de l'astre Canfu, vous voilà enfin tiré d'affaire. Tout au bonheur de retrouver votre complicité avec votre conjoint ou partenaire, vous aurez envie de vous occuper de votre maison, de votre famille, bref de tout ce qui compose les joies simples de l'existence. Célibataire, ce n'est pas trop votre style. Mais sous l'impact de la planète Diavong, vous pourriez vous emballer soudainement, sans chercher à savoir si la personne qui vous plaît vous convient. Qui vivra verra. Argent. Sur le plan financier, vous subirez deux impacts planétaires, l'un positif, l'autre plus délicat. La bonne nouvelle, c'est que l'astre lui sera très favorable et qu'il vous aidera à nettement améliorer votre équilibre financier.
La mauvaise nouvelle, c'est que l'astre Ongloan risque de vous rendre très dépensier. Santé. Les aspects paisibles de l'astre Fionkat vous apporteront aujourd'hui un peu d'accalmie dans votre rythme de vie actuel. Vous devriez savoir profiter de ces moments plus tranquilles pour recharger vos batteries, car même Apollon ne tend pas toujours son arc, Horace. Les meilleures heures se situeront en fin de journée. Travail. Vous vous affirmerez tellement dans votre métier que certains de vos collègues pourraient en prendre ombrage. Soyez sur vos gardes. Mais d'un autre côté, les bons aspects de l'astre Lemtrine favoriseront les réconciliations. Saisissez cette occasion pour neutraliser les hostilités ou les inimitiés, ou vous risquez d'avoir une désagréable surprise avant même la fin de la journée. Vie sociale. Vous voudrez exercer sur votre entourage une autorité tyrannique, mais cela risque de provoquer des conflits graves. Le moment sera mal choisi pour des contestations juridiques. Choisissez le compromis. Horoscope chien. Amour. Natif vivant en couple, profitez de cette journée faste pour jeter un regard neuf sur votre conjoint ou partenaire. Même si la routine règne parfois entre vous deux, vous aurez la capacité de comprendre à quel point ce sont les petits moments de la vie quotidienne, des instants de tendresse et de partage, sans parole parfois, qui sont importants. Si vous êtes seul, les astres Akiyan et Fugbin vont certainement vous aider à faire une belle rencontre. Pour transformer ce coup de cœur en une histoire durable, chassez votre peur d'être refusé ou abandonné. Argent. Maintenez vos dépenses dans des limites raisonnables malgré la griserie provoquée par l'ambiance générale. Pour vous convaincre de vos erreurs passées, examinez bien les dépenses que vous avez effectuées dernièrement. Vous verrez que beaucoup d'entre elles sont parfaitement inutiles ou franchement exagérées. Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire. Santé. Tous ceux d'entre vous qui sortent d'une période de fatigue ou qui ont dû affronter des maladies vont commencer à remonter la pente. Ce ne sera pas encore la forme olympique, mais vous vous sentirez tout de même beaucoup mieux que dernièrement. Travail. Soyez vigilant dans votre travail, un conflit pourrait brusquement éclater avec l'un de vos supérieurs à propos d'une petite bagatelle et avoir de fâcheuses répercussions sur votre avenir professionnel. Vie sociale. Vous serez sujet aux agissements indélicats d'un de vos amis. Mais si vous gardez votre sang-froid, l'astre fond de chaos vous aidera à traverser l'épreuve sans dommage. Débarrassez-vous des amis qui ne méritent pas ce nom. Horoscope cochon. Amour. Vous aurez vraiment envie d'une aventure nouvelle et exaltante. Cela pourrait vraisemblablement se produire dans le cadre de votre vie quotidienne, si vous ne vous découragez pas à la première petite contrariété. Quelques-uns d'entre vous succomberont au coup de foudre. Si vous êtes marié, votre union chancellera sur ses bases. Pourtant, une rupture pourra être évitée, à condition que chacun des partenaires consente à faire des concessions. Argent. Avec le départ de l'astre Fionkak de votre ciel, vous pourrez reprendre confiance concernant votre vie matérielle. La période des vaches maigres est terminée, et vous devriez retrouver un niveau de vie plus satisfaisant. Vous pourrez rembourser vos dettes si vous avez dû emprunter. Santé. Physiquement et mentalement, vous serez en pleine forme grâce aux bons influx de l'astre Temtai. Et votre morale, un facteur clé de votre équilibre, sera nettement meilleur que dernièrement. Voilà qui contribuera évidemment à atténuer les risques de maladies liés à l'anxiété. De plus, si vous souffrez de troubles hépatiques, ceux-ci pourront être efficacement traités. Travail. Le secteur travail subira des influences mitigées. Les moins bonnes seront dues à l'astre Luhectar. Les relations professionnelles ne seront pas des meilleures, tenez-vous sur vos gardes, car personne ne vous fera de cadeaux. Travaillez à votre rythme sans relâcher vos efforts, et vous atteindrez vos objectifs en clouant le bec à vos détracteurs. Cela ne vous sera pas très difficile, car vous aurez un allié de poids, l'astre Truongxin en bel aspect. Vie sociale. Vous ne serez guère disposé à faire des concessions. Plus que jamais, vous serez convaincu d'avoir raison, et vous obligerez vos proches à se soumettre à vos exigences. Il y aura donc de la rébellion dans l'air.